Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Et là aujourd'hui, dans ma balade et ma marche matinale, à travers cette atmosphère, ce parfum, cette verdure, cette propreté due à un orage qui s'est produit avant-hier, j'ai pu découvrir un arbre, et attention, pas n'importe quel arbre, qui a un fruit qui est très 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 recherché pour ses effets anti-âge, anti-Alzheimer, anti-Parkinson, bon pour le diabétique, bon pour le cœur, bon pour les inflammations de la bouche et à consommer sans modération si vous avez de la chance. Et là, tout bêtement, j'ai trouvé cet arbuste avec des... ça pique de tous les côtés, j'ai même saigné, regardez. Et j'ai pu m'acquérir quelques graines, quelques fruits que je vais déguster avec plaisir. Aïe, 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 c'est sucré, c'est salé, c'est acide, c'est tout ce que vous voulez. Et ça se trouve à Ifrane. Ça se trouve dans une région merveilleuse que j'aime beaucoup. Et ça se trouve tout près de ce fameux lion que tout le monde regarde et photographie. Moi, je ne le prendrai pas en photo. Je préfère les plataniers, je préfère les troènes, je préfère les sols pleureurs, je préfère le gazon, je préfère l'atmosphère enivrante d'Ifrane avec ce sol pleureur qui a vieilli et qui se régénère avec la pluie. Alors, consommez les myrtilles. Elles sont très bonnes, elles sont délicieuses, de les plus antioxydants du monde. Les fruits les plus antioxydants. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Bon appétit et à très bientôt.